Franklin et son doudou. Chaque soir, Franklin s'endort comme un grand avec une histoire, un câlin, un verre d'eau, sa veilleuse et sa couverture doudou bleue. Mais ce soir, son doudou a disparu. Il cherche partout dans sa chambre, vide son coffre à jouets, inspecte ses placards. Malheureusement, sa couverture n'est nulle part. Pas question de dormir sans son doudou. Alors son papa a une idée. Une autre couverture pourrait peut-être le remplacer. Franklin n'a pas vraiment envie, mais il accepte juste pour une nuit. Dès le lendemain, Franklin continue ses recherches chez son ami Martin. « Tu es trop grand pour garder ta couverture de bébé », se moque-t-il. Franklin ne dit rien. Il sait bien que son meilleur copain dort chaque nuit avec son lapin. Rafa non plus n'a pas vu sa couverture. Elle était toute usée, peut-être devrais-tu la remplacer, propose-t-il. Ça ne serait pas pareil, rien n'est aussi doux que ce doudou. Même Lily n'a pas retrouvé sa couverture adorée. Franklin est désespéré. Moi aussi j'ai besoin de mon doudou pour m'endormir, avoue-t-elle. Si tu veux, je peux te prêter un de mes oursons. Une nouvelle couverture jaune, un ourson marron, cela ne suffit pas à Franklin. Tout ce qu'il veut, c'est sa vieille couverture bleue. Mais alors qu'il commence son dîner, je me souviens où je l'ai laissé. Tout heureux, Franklin tire sa couverture bleue de sous sa chaise. Plop, plop, une poignée de choux tombe alors par terre. Cacher ce qu'on ne veut pas manger dans son doudou, quelle drôle d'idée! Franklin est tout heureux d'avoir retrouvé son doudou bleu. Peu importe qu'il soit vieux et plein de trous, c'est son doudou, un point c'est tout. Mais pour le moment, Franklin doit vite lui donner un bon bain.